Les lacs puis les rivières, la vocation première, c'est de la détente. En plein air. Il faudrait que sur tous les lacs et sur toutes les rivières au Québec, on puisse aller se baigner, aller pêcher, puis se détendre, tout simplement parce qu'on en a besoin. C'est sur tous les lacs et sur toutes les rivières. C'est ça. Mais en pratique, il faut tout de même se demander qu'est-ce que le Québécois moyen veut. Est-ce qu'il est prêt à vivre dans une nature non polluée ou ne pas avoir d'énergie du tout? Émotionnellement, je dirais qu'il est prêt à vivre dans la nature, mais en pratique, je crois que l'évolution du monde est vers une industrialisation accrue. Il y a peut-être des limites vers lesquelles on tend, mais tout de même, très peu d'entre nous seraient prêts à se passer de notre automobile, de notre confort, de notre chaleur dans nos maisons. Comme le Québec est moins industrialisé que l'Ontario, la lutte est moins vive qu'en Ontario. Parce qu'en Ontario, la lutte, elle est vive pour contrôler la pollution. C'est le même courant qu'à Chicago ou à Détroit, ou dans les grandes villes. Quand les ouvriers à Détroit, ils font 15 000 $ par année en moyenne de salaire. Ici, à Montréal, ils font pas 5 000 $ en moyenne par année de salaire. Alors, vous imaginez bien que la lutte à Détroit va porter pour la qualité de la vie, pour la façon dont on vit. Mais ici, à Montréal, c'est pour le primo vivere. C'est normal, puis c'est encore davantage vrai quand vous sortez de Montréal, quand vous allez dans les petites villes. Les villes où vous avez gens prêts à la lutte, c'est les villes ouvrières. C'est des villes où tu as des ouvriers spécialisés, puis qui ont un ouvrage dur, qui sont durs eux-mêmes, puis qui sont durs envers leurs syndicats. Mais ils ne feront pas porter la lutte la plupart du temps sur le contrôle de l'environnement. Ils vont faire porter la lutte sur leurs conditions de travail. Ils vont d'abord demander que dans l'usine, ils soient mieux traités. La compagnie compare notre salaire. Là, on est en grève présentement. Ils comparent notre salaire avec d'autres compagnies. Mais nous autres, on travaille dans l'explosif, dans la senteur. C'est pas bon pour nous autres. Même il y a des types qui travaillent dans la poudre, ils leur donnent des jambes de petites pilules, le mal de tête, mais mal de tête. La pilule, ça guérit pas, ça fait rien qu'engourdir le mal. J'ai travaillé 10 ans dans la dynamite, là j'ai long que ça, parce que la dynamite, pour commencer, t'as la forçaille, t'as de la dynamite, hein, les deux sortes d'explosifs. Ma forçaille, ça faisait tellement longtemps que je travaillais là. Ben, les premiers temps, j'avais mal à la tête, mais ça, tu t'habitues avec ça. Ma dynamite, j'ai jamais été capable de me faire. Les acides aussi. Ça s'appelle couramment la fiume, les gars sur le plan. Puis, celui qui en respire trop, vient un temps qu'il est plus capable d'en respirer. Dès qu'il en absorbe un peu, il faut absolument qu'il s'en aille à l'extérieur aspirer de la bonne air parce que là, il en prend un méchant coup. Bien, ils ont mis des systèmes de fans dans les bâtisses à cette heure, mais surtout au TNT, lorsque le vent est du côté de la bâtisse qu'on travaille, mais on reçoit tout ça, on respire mal. C'est quoi, ce rouge-là? C'est le stock qui est mélangé avec l'explosif. C'est de la vieille eau qu'ils rejettent. Ils ont fait un système, un rampe de brûleur pour brûler la cochonnerie dans l'eau. Mais il en reste? Ça fait pollution dans l'air. Ça diminue pour la pollution de l'eau, mais ça pollue l'air.
Même, on fait du ski nautique, nous autres, on rencontre des poissons qui sont morts sur l'eau, là, qui flottent. Là. Il y en a des dizaines, rien qu'en passant en ski nautique. Je sais pas si vous avez connaissance, ils ont remonté de 3 pieds le barrage à Saint-Ours. Et de ce fait-là, ils tiennent l'eau ici 3 pieds plus haut tout l'été. Mais auparavant, franchement, c'était pas très, très beau à voir au mois d'août. Pourquoi ils ont remonté le barrage à 3 pieds? Justement pour couvrir les tuyaux. Pour cacher ça? Oui. C'est qui ça? C'est une raison. Le gouvernement. Et j'ai l'impression que le gouvernement, par moment, n'a pas réalisé tout de suite, comme le gouvernement d'Ontario, la pollution était à ce niveau. Dans Richelieu, c'est-tu un niveau qui est très élevé? Il est très, très élevé, puisqu'on défend de se baigner dans le Richelieu à peu près partout. Je pense qu'il ne reste presque plus de place où on peut se baigner. Oui, l'exemple qui était mentionné tout à l'heure pour la Roure, qui est le cours d'eau où l'on retrouve la plus grande agglomération industrielle au monde et où il n'y a plus de pollution. En réalité, ça s'est fait parce que c'est une industrie autochtone. C'est l'industrie allemande est très forte. C'est pas l'industrie américaine qui est en Allemagne. C'est l'industrie allemande. Puis on a beau dire qu'il y a les multinationales en Europe, mais en France, c'est d'abord l'industrie française et en Grande-Bretagne, l'industrie anglaise. L'industrie britannique. Alors, on est un peu dans une situation différente. Si le gouvernement de l'Allemagne, qui peut être social-démocrate à l'occasion, prend la décision d'avoir une législation ferme, parce que il y a beaucoup de population qui demeure là, c'est un très beau cours d'eau, ainsi de suite, bien, l'usine se plie aux conditions et le gouvernement peut apporter une assistance à l'industrie à ce moment-là. Bien, ici, on n'a pas de telle concentration, d'abord. L'industrie n'est pas aussi forte. Et puis l'industrie est étrangère. Puis l'industrie, quand elle prend cette décision, elle peut aussi bien décider d'investir ailleurs qu'ici. Elle n'est pas aussi solide à un endroit, elle ne tient pas autant à demeurer à un endroit. Il y a une question de leadership aussi. Si l'État est plus ferme, davantage ferme, tout le développement industriel va s'en ressentir. Et puis, la qualité de la vie, si l'État conserve le leadership pour l'industrie première, bien, ça suivra dans les autres. Dans le moment, et je n'en blâme pas du tout, les sociétés multinationales ont comme objectif de rentabiliser leur situation multinationale, maximiser leurs profits. Et souvent, ça peut se faire au détriment accidentel de certaines économies régionales. L'industrie essaie, par définition, de faire de l'argent, et c'est normal. Et le système est ainsi fait, le système capitaliste, où il faut faire des profits, sinon elle cesse d'exister. Dans toutes les rivières qui sont autour de Montréal, que ce soit la rivière Shawinigan ou la rivière, enfin, la Gatineau, puis toutes ces rivières-là, là, ils sont pollués. Quand tu fais le procès de pollution, tu te dis, qui est-ce que c'est qui pollue ça, ces rivières-là? Hein? On sait qui est-ce que c'est qui pollue les rivières, hein? C'est les compagnies de porte-papier, puis etc., etc. Mais va voir sur la liste des clubs de chasse et pêche privée,
tu vas t'apercevoir que ceux qui polluent justement les cours d'eau et qui seraient vraiment, là, tu sais, là, accessibles à Monsieur Tout-le-Monde, là, mais c'est les mêmes gars, Costa Patin, qui sont drés là, dans le rouge. Les mêmes gars. CIP, Dumtar, name it, ils ont tous des clubs privés. Le rouge, ce sont tous des clubs privés. Je pense qu'en 1974, il doit en rester à peu près 1250. 1250. Le vert, ce sont les parcs. Maintenant, il y a la réserve de la Haute-Mauricie. Il ne faut pas prendre ça comme un parc. C'est un projet de réserve là, qui est, je pense, seulement pour la chasse à l'ornière, que c'est contrôlé, ça, si je ne me trompe pas. Le jaune, ce sont les pourvoyeurs. Puis le bleu, ben, c'est les territoires libres. Mais quand on regarde la carte, visuellement, il faut regarder autant le rouge que le jaune. C'est-à-dire, ça, c'est des territoires non accessibles à toute fin pratique. Moyennant de l'argent, oui, tu peux y accéder, tout comme, par exemple, tu peux devenir membre d'un club privé en achetant une cotisation. Alors, en réalité, ce qui est accessible au public, c'est évidemment la bande verte des parcs, plus les territoires en bleu. Mais les territoires en bleu, et ça, je l'ai déjà dit, moi, je le répète, c'est que le malheur, c'est que ça, on a un peu l'impression qu'il y en a peut-être beaucoup de territoires bleus. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, on fausse un peu la vérité parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Les clubs de chasse et pêche privée, autant comme les pourvoyeurs, sont bâtis, règle générale, sont installés, règle générale, en bordure de ces routes-là. Alors, ce qui fait qu'en arrière, par exemple, si on prend... Ben, s'il y avait un chemin, par exemple, qui passe ici, là-dedans, il passe évidemment en plein cœur des clubs, mais cette partie de territoire-là, il n'y a pas de chemin pour y aller. Et le citadin là, qui veut vraiment essayer d'aller à la pêche à un lac quelconque dans ce coin-là, il faut à ce moment-là qu'il traverse un club privé. Là, t'es empêché. À ce moment-là, ça ne lui est pas permis de le traverser. Il n'a pas le droit, c'est une propriété privée. C'est loué, tu n'as même pas le droit de traverser là, avec des cannes à pêche parce que tu peux être accusé, et d'ailleurs, ça s'est déjà fait, tu peux être accusé d'avoir l'intention de pêcher sur le club. Alors, à toute fin pratique, même s'il y en a un peu de bleu, moi, au départ, là, je serais tenté de dire qu'il y a 50% au moins du territoire en bleu qui n'est pas vraiment accessible. Il y en a quelques parties, mais il n'est pas vraiment accessible. Votre prédécesseur avait lancé l'opération Accessibilité, qui a créé un certain nombre de parcs, qui a déclubé un certain nombre de territoires. On avait dit que c'était un programme de 4 ans ou de 5 ans, je vous oublie. De façon, si c'est 4 ans, c'est définitivement... Le lab s'est terminé. Est-ce qu'on doit s'attendre à une autre opération semblable? Ben non, parce que pas dans les médias, parce qu'on va plutôt procéder à faire respecter la nouvelle loi cadre des parcs. Hein. Ouais. Puis à la suite de ça, on va vraiment voir quelle est la demande qui vient de la population. Pour ce qui est des clubs privés, je n'aimerais pas mêler à sauce tout de suite parce que, en fait, on peut en discuter longuement. Hein. Ouais. Il y en a 50% qui sont pour, il y en a 50% qui sont contre. Alors. Au moins, si ces territoires-là rapportaient, tu sais, je sais pas, mais si ça rapportait X nombre de millions en taxes à la province de Québec, tu dirais, mais Christy, ils ont un argument, les gars, ça rapporte de l'argent. Pas vrai, ça rapporte pas d'argent. Et on est incapable de regarder dans le bilan du ministère de Tourisme, Chasse et Pêche, là, les coûts et revenus, de te percevoir que non seulement ils font pas un sou avec ça, parce que la location, et là, je sais que ça va peut-être te surprendre, la location de tout ce territoire-là, hein, au Québec, actuellement, ça rapporte moins $1 million par année. Oh! $1 million par année. Alors là, attention, hein? Si on regarde ce que ça coûte, parce qu'oublie pas que les clubs de chasse et pêche privés, là, au niveau de la conserve, c'est vrai qu'ils sont obligés d'engager un gardien, puis peut-être patata, mais il reste que l'agent de conservation, puis un tas de services qui sont au ministère de la chasse et pêche, là, sont obligés d'y aller là-dessus. Aller voir les problèmes qui se posent. Tu sais, ça, par exemple, c'est un problème avec une tête d'eau qui découle ici, puis s'il y a un problème là, c'est les gars du service de la faune qui vont régler le problème. Hein. S'ils ont une plainte de M. Joe Blue du club, je ne sais pas trop quoi, là, qui a un braconnier qui a bâti une ornière sur leur territoire, c'est le garde-chasse du gouvernement qui est obligé d'y aller avec le véhicule du gouvernement, le gaz du gouvernement, le temps du gouvernement, puis tout ce que tu voudras. Alors, on reprend tout ça là, depuis le début, ça rapporte moins d'un million de dollars à la province au niveau là, du terme de leur bail, c'est-à-dire qu'ils doivent payer tant du mille carré, et payent pas de taxes, payent pas, etc. Alors finalement, là, c'est nous autres les payeurs de taxes. Hein? Ceux qui ne peuvent pas y aller, c'est nous autres qui subventionnons ces gars-là. L'affaire de la position des clubs privés, c'est pas une question de conservation, pas une question de protection, c'est une question politique, point final. En majuscule, puis on va souligner dans le texte, hein? Politique.
Parce que Joe Blow, ou le juge untel, ou l'avocat untel, ou l'organisateur politique, ou le monseigneur, puis l'archevêché, puis etc., etc., qui ont des clubs, là, eux autres qui ont des investissements, ils sont pas prêts à laisser tomber leur morceau de gâteau. Tu comprends? Parce que ça leur a été donné parce que pour telle faveur qu'ils ont faite ou telle chose qu'ils ont faite. Alors, c'est ça. Le problème des clubs privés, c'est pas une question de. C'est pas un problème de protection. C'est pas un problème de conservation. C'est un problème politique, encore une fois. C'est ça. C'est toute la question est là. Les richesses naturelles, c'est pas nous autres, ça. Quelqu'un d'autre, ça. On dirait ça, tu sais. On est jamais chez nous. En fait, les cours d'eau sont devenus les plus grands clubs privés au monde. Parce qu'ils servent seulement à certains intérêts, c'est-à-dire les industries ou les administrateurs municipaux. Ils s'en servent personnellement, supposément pour le bien de la collectivité. Ils s'en servent comme égout. Mais le particulier, lui, c'est pas sa propriété, ça. Il n'y a rien à voir là-dedans. On se sert des rivières, pareil comme un club privé. Qu'est-ce qui peut contrôler les rivières si c'est pas certaines industries comme on a en face ou monsieur le maire de telle municipalité? Il se permet de faire ce qu'il veut avec ta rivière. Puis ça passe, hein? La lutte contre la pollution, c'est pas encore politiquement rentable. Tu sais, c'est pas un moyen pour se faire élire à la prochaine élection. Qu'est-ce que ça donne de s'en occuper? Mais le jour où le monde va être assez ouvert à ces phénomènes-là, là, il va être prêt à demander à son député, tu veux mon vote, là? On va te le donner, mais promets-moi de l'action sur le côté de la pollution. Oh, tabarouette! Ce sera plus pareil, ça. De toute façon, c'est pas à la compagnie que ça coûte pour dépolluer son environnement. C'est ton contribuable. C'est lui, en fin de compte, qui va payer la note. Si ça coûte plus cher d'avoir une boîte de cartouches, c'est pas les actionnaires de CIL qui vont absorber la différence. C'est le chasseur, en fin de compte, qui va payer sa boîte de cartouches plus cher. Actuellement, au moment où on se parle, les rives des rivières sont en train de tomber dans les mains des spéculateurs depuis longtemps, puis on bâtit des maisons-appartements. On a fait l'île des Sœurs en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. On a des maisons luxueuses qui se construisent, puis des industries, des ci, des ça, sur les rives de toutes les rivières. Puis il y a des gens qui achètent des terrains sur les rivières pour se construire une maison d'été. Alors finalement, on est presque rendu dans une situation comme ça, où la rivière qui appartient à tout le monde, dans la pratique, elle appartient aux riverains. Parce que ce sont les seuls à avoir accès. Ce sont les seuls à avoir le point de vue sur la rivière. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on demande à tout le monde, là, payer une usine d'épuration pour qu'on se donne des eaux propres. Il va y avoir des eaux propres dans le fleuve Saint-Laurent. Mais le pêcheur, il n'aura plus accès au fleuve Saint-Laurent. Puis, si j'étais à sa place, je serais en maudit. Actuellement, il pêche sur des eaux d'égout, sur des tuyaux d'égout. Il pêche. Il est dans la merde, le gars. Puis, il pêche, là. Alors, demain matin, on va prendre son argent, on va nettoyer la place, mais lui, il sera plus là. Ça va être des gens qui vont être dans des maisons-appartements qui vont être là à sa place, mais lui, il aura payé pour ça. On appelle d'ailleurs toutes les constructions qu'on fait sur le bord du Saint-Laurent, là, bien, sur les autres rivières, ça va être la même chose. Je sais que sur l'île Charon, par exemple, on a le Sheraton Saint-Laurent. À Longueuil, on a un endroit qu'on appelle Port de mer. T'sais. On appelle tout ça par rapport au fleuve, pas être capable de louer des appartements puis de donner une plus-value à tout ça. T'sais. Bon, mais on dirait qu'il y en a plusieurs qui se sont ligués contre nous autres, pour pas qu'on puisse profiter de la nature. C'est pas du méchant monde, mais ils font ça inconsciemment, mais tout le monde récolte. Tu sais, on récolte toujours ce que c'est qu'on a semé. Hein? Les barrages qu'on a faits pour remplacer un peu de ce que c'est qu'on avait, hein? Ils ont été faits, comment je dirais ça? Tu sais, pas de mauvaise foi, ils n'ont pas pensé un petit peu plus, tu sais. Ils ont pensé que, sur le coup, on faisait un barrage pour faire un barrage pour maintenir l'eau. On a eu cette eau-là,
mais on a seulement l'eau 6 mois par année parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui n'est pas intéressé à nous garder l'eau dans la région que je parle, en devant les villes de Bois-Noir. Hein? Plus que 6 mois par année, parce que s'il fallait que les barrages soient plus que 6 mois par année, ça ne détruira pas les poissons tous les ans, ça ne détruira pas la vie aquatique, enfin, ça ne détruira pas tout ce que c'est qu'il pourrait avoir là. Indirectement, bien, ça a fait détruire les hérons que je me suis tant démené pour essayer à les conserver. Et puis, de tout ça, en enchaînant avec les autres, il y a 2 ans, l'Hydro-Québec a décidé de mettre un montant assez fantastique dans la région de Saint-Timothée pour nous créer toute une plage. Alors, c'est vrai qu'on a créé une belle plage au village de Saint-Timothée. Oui. On a pris le fond du fleuve et on a nivelé pour faire promenade pour les bateaux, ni plus ni moins, tout autour des îles, à pas moins de 4 pieds. Bien, dans tout ça, le poisson, il n'y a plus de place pour nicher. Parce que le poisson, il niche pas dans 4 pieds d'eau. Ah non. Quand le poisson va pondre, assez souvent, il pond dans 1 pied, 1 pied et demi, peut-être 2 pieds. Des fois 3. Généralement, les chiens pondent dans 1 à 3 pieds d'eau. Le fond étant nivelé à 4 pieds, on n'a à peu près plus. Comment voulez-vous qu'on puisse en récolter dans les années à venir? Mais je sais ça apparemment bien que les barrages étant fermés rien qu'au goût et à la volonté du contrôleur de l'hydro, suivant ces bonnes idées, que nous autres, le contre-coup, on s'en ressent. Hein? Puis pour mettre ça encore plus beau, dans Saint-Timothée, ben, on a créé le mur de la honte. Si vous voulez avoir un beau mur, là, tout le long de Saint-Timothée, là, au lieu d'avoir votre plage, là, ou votre débarcadère, votre chaloupe, c'est un beau mur de ciment. La nature a établi des lois, puis l'homme a oublié de se conformer à ces lois-là. Ils n'ont jamais demandé à Mme Achigan quand est-ce qu'il sera le temps de baisser l'eau. Hein? Ça compte pas, ça. Mais le jour où les poissons et les animaux ne pourront plus vivre sur la Terre, nous autres non plus, on ne pourra plus vivre. Puis on oublie souvent qu'on a le même habitat. Enfin, on vit dans le même habitat que le chevreuil, que l'orignal. L'homme vit dans le même habitat. Parce qu'on est des citadins, on a oublié qu'on est encore des terriens, qu'on vit de la Terre. Parce que ce midi, on va manger, ce soir, on va manger, c'est le fruit de la Terre. On est encore collé à la Terre par le manger, par l'eau, partout. On vit une vie biologique, bien plus qu'elle est intellectuelle. Les mouches aquatiques, les mannes ou les frigannes, c'était par milliards autrefois. Pas par millions, par milliards. Ils ont été assez détruits qu'on n'est seulement pas capable d'en trouver aujourd'hui. La manne anguille qui produisait ce que c'est qu'on appelait le scorpion, qui pouvait être 1 pouce à 1 pouce et quart de long, exceptionnellement 1 pouce et demi, la meilleure appât qu'il ne pouvait pas avoir pour aucun poisson, a été détruite à peu près complètement. C'est impossible d'en trouver sur toute la longueur de Valleyfield à Melocheville. Pourquoi? Monte l'eau, baisse l'eau, monte l'eau, baisse l'eau. Il n'y a personne, quand l'eau a été baissée, puis que les rivières ont été asséchées, que les roches ou les pierres sont secs, puis que les œufs ont été détruits, il n'y a personne qui peut rebâtir ça. Il n'y a pas un ingénieur, hein? Même si le gars a fait aussi longtemps d'université, je défie un ingénieur de pouvoir rebâtir une vie. Il va bâtir industriellement, mais palper une vie, puis la faire, il n'y a aucun ingénieur au monde qui va faire ça. On n'est pas encore venu à bout. On est venu à bout de la détruire. Bon. On peut la détruire à 100% comme on l'a fait de notre bout. Mais la rebâtir, là, on ne pense pas plus long que notre nez. Détruisons, on est dans le 20e siècle. Thank you.
pense qu'en général, si tu regardes la situation, tu te dis ceci. La plupart des ministères sont des ministères qui exploitent la nature. Terre et forêt exploitent dans ce sens qu'ils coupent des arbres. C'est une exploitation commerciale. Le ministère des Richesses naturelles, sa vocation première, là, c'est l'exploitation de l'eau pour le pouvoir hydroélectrique, l'exploitation du sous-sol pour les mines. C'est commercial. Tourisme, chasse et pêche, ben, c'est d'abord vu comme une industrie touristique, la chasse et la pêche. C'est une exploitation de la nature pour des fins d'argent, encore une fois. C'est. Alors, tous les ministères exploitent. On n'a pas un seul ministère au Québec qui protège. Si on endommage l'environnement et que plus tard, il faille corriger ces dommages-là, ça peut valoir beaucoup plus que les bénéfices immédiats qu'on va en retirer. Mais là encore, il faut tout de même être réaliste. Il faut se demander, faut pas plutôt désespérer de l'habileté de l'espèce humaine à s'adapter. Je pense que nos petits-enfants, ils nous inquiètent. Les petits-enfants de nos petits-enfants nous inquiètent. Mais ceux de la centième génération en descendant, soyons tout de même réalistes, ils s'arrangeront bien avec les problèmes que leurs grands-pères leur auront laissés, en assumant qu'on ne fait pas trop d'exagération aujourd'hui. Si nos pères avaient dit ça il y a quelque temps, s'ils avaient réellement prévu toutes les conséquences écologiques, etc., le Canada ne serait pas développé. Et on aurait peut-être un autre monde qui pourrait être aussi adéquat. Mais c'est celui-là qu'on a adopté. Alors, il faut s'y résigner. Les poissons que ça mange, c'est bon aussi à manger. Oh oui! Ils sont bons à manger. C'est quoi, là, Jean-Paul? La rotenone? Ouais. C'est une poudre. Ça provient d'une plante. Ah, puis ça attaque le système respiratoire. Ça se dissout dans l'eau, ça attaque la poudre, la rotenone. Ça empêche le poisson, si tu veux, ça paralyse un peu. Là. Puis il n'est pas capable de capter l'oxygène qu'il y a dans l'eau. En fait, les gens en Amérique latine, là, ils pêchent avec ça. Certaines tribus indigènes, ils pêchent avec ça. Ils tirent ça dans l'eau. Puis ils récupèrent le poisson après. Alors, ils ne se fatiguent pas. C'est un moyen efficace. Mais nous, on s'en sert comme inventaire, parce qu'une personne, ça pourrait tomber dans les mains. Là. C'est un inventaire. Parce que ça détruit les plantes aquatiques. Les plantes aquatiques, les poissons. Tu vois, regarde, on commence à avoir des sillons. Là. C'est juste les nageoires des poissons qui montent à la surface. Mais pourquoi vous voulez... Y aurait-tu moyen de faire l'inventaire autrement qu'en empoisonnant? Oui. Oui, avec des cygnes. Bon, regarde, avec des cygnes, là, c'est que t'es dans les branches, c'est pas vrai de travailler, t'as par-dessus la tête là-dedans. Hein? Regarde, je vais te le montrer, là. Oh, je suis certain qu'il... Ah, ben, maudit, il m'a fait des voix. Mais ça va dépendre des endroits, là. Quand c'est bien creux, des sables mouvants, mais chez les côtés, t'as du sable mouvant, là. Tu cales par-dessus. Puis, un avantage, là, l'idéal, c'est de s'aîner comme ça, puis avec le bord, avec une belle grève, tu sais, ça va bien. Tu vas voir, tantôt, on va s'aîner. Mais ça, il n'y a aucune espèce de poisson qui t'échappe avec le rotenone. Aucune espèce. Ça, c'est un avantage. Le poisson se repeuple pareil, ça ne dépeuple pas du tout. Ah non, du tout. Regarde, là, j'empoisonne à partir d'ici, mettons. Je mets une petite concentration, une partie par million ici. Après, là-bas, c'est une concentration 0.25 partie par million. Okay. Ça ne tue pas les poissons qui sont là-bas. Mm-hmm. Tu sais, ça tue des poissons qui ont la concentration. La concentration de rotenone. Ça meurt-tu? Pas encore, non. Parle pas, par exemple. On parle pas à pêche. Reste tranquille, là. Mange ton orange. C'est le ministère des Richesses naturelles qui a juridiction sur le lit d'un lac et sur les berges. C'est Terre et forêt qui a juridiction sur la forêt. C'est les services de protection de l'environnement qui ont juridiction sur la qualité des eaux.
Et c'est le service du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche qui a une juridiction sur le poisson, en dehors de l'habitat. Ce sont d'autres ministères qui contrôlent la qualité de l'habitat, puis le ministère a juridiction sur le poisson. Alors, s'il n'y a pas de poisson, il peut mettre du poisson. D'accord? L'habitat, là, il n'y a aucune juridiction sur ça. C'est difficile pour le ministère de Tourisme et de la Pêche d'intervenir sur l'habitat, parce que c'est une juridiction différente. Intervenir sur la qualité des eaux, ce sont les services de protection de l'environnement. Alors, il est condamné, là, à prendre le poisson, l'analyser, voir s'il pousse bien, trop gros, trop grand, et puis s'il n'y a plus de poisson, mettre du poisson, ou pas mettre de poisson. Enfin, il joue, son jeu, là, ça commence avec le poisson, puis ça finit avec le poisson. Avec l'ouverture de cette station piscicole de Lac des Écorces, le ministère que je dirige dispose maintenant du plus important établissement de pisciculture dans l'Est du Canada pour la production de la truite. Cette station possède, comme vous le verrez dans quelques minutes, des installations ultra-modernes nécessaires à la production de truites de pêche. Et par truite de pêche, bien sûr, on veut dire la truite entre 8 et 10 pouces. Je suis fier de recommander ce centre à tous ceux qui résident, à tous ceux qui voudront bien vouloir venir se servir de ce centre, afin de s'initier aux techniques de la pisciculture commerciale et industrielle, aussi bien que pour des fins d'ensemencement que de consommation. En attendant, peut-être que tu pourrais aller chercher la scène de l'autre bord qui traîne puis la ramener ici. Là. Je vais aller me dire la référence. Il y a un gros paquet de perches chaudes. Il semble que c'est de la perche chaude. Il devance le banc. Quelqu'un qui verrait ça, des poissons morts ici, ça l'emmerait, hein? Il y a des dégâts bien pires que ça. Imagine les dégâts que les compagnies font, des choses là. Oh, oh! Tiens ton... les 2 mètres, là. Mètre du haut, puis du bas. Il n'y a jamais eu de plan d'ensemble. C'est la foutaise partout, tu sais. Je veux dire, au moment dans les parcs, par exemple, ou au moment où le gouvernement dit, bon, mais cette rivière-là, on va l'aménager, on fait un magnifique aménagement. Mettre du poisson là-dedans, ils l'organisent. Le lendemain matin, c'est à CIP qui s'en vient et qu'il faut shooter les arbres autour. Où ils sont partis tes poissons, il n'y a plus de poissons. Alors, non seulement tu as dépensé de l'argent pour faire mettre de la truite dedans puis faire de l'aménagement, mais tu subventionnes une compagnie qui vient détruire ce que tu as fait. Ils sont bien limités, hein. Ils sont limités à dire que tu vas commencer à pêcher telle date, tu vas finir telle date, et puis qu'il n'y a plus de poissons, donc tu arrêtes de pêcher ou tu pêches moins, puis tu dois pêcher avec une canne à pêche plutôt que 2 cannes à pêche. Là, c'est comme problème, c'est pas bien fondamental. On s'amuse à ça. On s'amuse à ça, dans le fond, on s'amuse. C'est, je veux dire, une année, la saison de pêche, c'était une journée avant, le lendemain, une journée après, les gars, ça va crier, puis ils vont dire, ça n'a pas d'allure, pêcher avec 3 cannes à pêche. Pourquoi on n'a pas le droit de pêcher avec 3-4 cannes à pêche? Pourquoi avec 1 canne à pêche? Tu vas en discuter pendant des heures de ça, c'est pas un problème fondamental, ça. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer le mouvement de déclubage qui a été amorcé en 70? Maintenant, si c'est un état, c'est satisfaisant pour vous comme c'est rendu maintenant? Bien, là, j'attends les. Disons que c'était un programme quinquennal, plutôt sur 4 ans, plutôt. Et puis, j'attends les statistiques à savoir si les territoires qu'on a ouverts avec le programme d'accessibilité, si ça répond à la demande du public, et jusqu'à quel pourcentage que ça a été utilisé aussi. Parce que ça ne donne rien d'ouvrir des territoires, des centaines de milliers de 1000 carrés s'ils ne sont pas utilisés puis s'ils ne sont pas accessibles. Je pense que dans mon esprit, en aucun cas, tu sais, on peut avoir un petit groupe de personnes ou une minorité qui profitent, qui jouissent d'une propriété qui appartient à la collectivité. Et si tu regardes ça, ben, c'est une image pas bien brillante et ni reluisante. Tu sais. T'as 25 000 personnes qui contrôlent tout ça, aux dépens des millions d'autres qui regardent ça et qui disent ben, c'est bien le fun. Puis il est bien chanceux, il est membre d'un club privé. C'est bien sûr que c'est pas parfait. Mais d'un autre côté, là, d'année en année, on s'améliore. Je pense que, en tout cas, j'ai confiance en l'avenir, énormément. OK. Merci. OK. Oui, c'est du beau travail. Continuez le bon travail. Est-ce que vous restez avec nous autres, c'était pas mieux? OK. Non. À la prochaine chicane, comme on dit. OK. Hein? Bonjour.
Bon dîner. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis venu pour le fameux festival de chasse au mois d'octobre, 11 octobre. C'était très intéressé d'y aller. Et puis, je pense que. De quelle façon, quelle demande qu'on peut faire à part les municipalités? Déjà, suite à la rencontre que vous avez eue, le patron, M. Simard, vous a dit que, même de ça, il a fait une déclaration, que cette année, il y aurait Bocla sur le chevreuil. Déjà, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, le contrôle des prédateurs, ça vient également. Le problème d'Atchik que je connais bien, là, tu sais, c'est une petite ville fermée, là, la CIP qui mène tout ça, là. Et puis, bon, ben la CIP, il y a un club pour les gros pachas, là, un club pour les employés, là. Alors là, ils prennent soin de ces gens-là. Alors, ça, tous les marchands généraux, là, que je connais à peu près, là, ils ont chacun un club où ils sont un pourvoyeur, mais ils ont un club privé. La balance des autres gars, là, qui sont pas syndiqués, tout ça, là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Soit qu'ils embarquent dans un club privé à des prix fantastiques, puis pas prêt. Hein? Bon, je sais, j'ai un de mes beaux-frères, il faut qu'il fasse 95 000 en forêt. Il est à la tuque, là, pour aller à la pêche. 95 000 en forêt pour aller à la pêche. Puis il est obligé de faire partie d'un club privé. Puis la minute que ces gars-là, là, rouspètent, on lui coupe le crédit au magasin, ils vont se faire mettre dehors à CIP. D'abord, tout le monde a peur. Hein? Tout ça, la peur, c'est au Québec, ça. Tout le monde a peur. Peur de perdre le job, peur de manger de voler, peur, tout le monde a peur. Ça, c'est bien normal. On a toujours vécu. C'est un règne de terreur, qu'on dirait. Parce que essayer de voir quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose, moi, j'en connais pas. Moi, j'ai peur de perdre ma job. L'autre a peur de manger de voler. L'autre, on a peur de quelque chose. Puis nos politiciens, l'autre gang, là, l'autre bar, là, ils ont peur pareil, ils ont peur de perdre tous ces privilèges-là. Là, tout le monde a peur de quelque chose, là, sans genre de calabre. Mais c'est vrai, essayez de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. On a peur de tout quelque chose, de tout. Si c'est pas de perdre ton emploi, mon vieux, t'as peur de te faire sacrer en prison, t'as peur de la police, t'as peur... La police, bien, ça, c'est un enfer. Hey, on a peur de ça, la police, tout le monde a peur de la police. Pourquoi faire? Non, mais... Bien, c'est certainement qu'il y en a qui ont peur, parce que je sais que Montréal-Est, par exemple, où on a toutes les raffineries, là, il y a bien des gens qui leur gagne-pain. On dit que ça sent mauvais là, au pied des raffineries dans Montréal-Est. T'sais. Mais les gens qui sont là eux-mêmes là, sont pognés, eux autres. Parce que la mauvaise odeur, c'est leur gagne-pain. S'il n'y a plus de mauvaise odeur, ou ils pensent que s'il n'y a plus de mauvaise odeur, ils ne gagneront plus d'argent. Oui, ça, c'est la façon dont la grande industrie pose le dilemme. Si vous voulez des industries, vous devez endurer la pollution. Ça s'est posé comme ça durant des décennies et des décennies. Aux États-Unis, le débat devient de plus en plus vif. Et à la lueur de la crise du pétrole, les industriels tentent un nouveau coup pour essayer de franchir ce barrage d'objections-là. Il faut s'autosatisfaire en énergie, donc il faut installer des usines polluantes. À un moment donné, il va falloir avoir les deux. Pas de mauvaise odeur, puis être capable de gagner de l'argent pareil. T'sais. Mais ils ont quand même peur. Il faut les comprendre qu'ils aient peur. T'sais. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on était un peuple de colonisés. C'est fantastique. Des fois, je regarde ça, puis je me. Ben, c'est quasiment impossible de sortir de ça. Bon, je me sens pris là-dedans, puis. Ben oui, mais c'est sûr qu'on n'en sortira jamais de ce problème-là, tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas que c'est un problème politique. Tant que le pêcheur acceptera de se tasser, puis tant que les gens accepteront de se dire, ben c'est bien de valeur, mais voilà un parc de partie ou voilà des arbres de partie, c'est-tu de valeur, tu sais? Puis là, on s'entraîne chez nous, puis c'est-tu de valeur, tu sais? Faut pas dire c'est-tu de valeur. Et
Je sais pas, ce qu'on a au Québec, je pense qu'on a un peu perdu la capacité ou le de se fâcher, tu sais. Mais de se fâcher de façon intelligente. De se fâcher puis de développer des tactiques pour obtenir ce qu'on veut. Pas juste se fâcher, là, piquer une colère noire, puis prendre une bonne brosse, puis défoncer trois portes. Mais se fâcher, là, puis s'asseoir puis analyser une situation puis se dire, OK, là, on est en maudit. Maintenant, ce problème-là, là, on part après, les gars. Puis là, on développe une tactique, puis là, on va les avoir. Une guerre de yeux, tu sais. Puis la compagnie qui pollue, là, elle polluera plus parce qu'on les lâchera pas, tu sais. Mais c'est pas ça, les gars, ils se fâchent, ils prennent une brosse, défoncent trois portes. Puis, ou ils se tassent. Ils se tassent. Mais voilà, il y a eu. On n'a pas fini, on avance. Dis-moi pas qu'on viendra pas à bout de payer la traite à un, là. Les grandes compagnies ne sont pas responsables, dans le fond. Moi écoutez, on peut tomber à pieds joints sur les grandes compagnies. Les grandes compagnies font ce qu'elles font parce que les gouvernements leur laissent faire ce qu'elles font, point. Mais le gouvernement les laisse faire pourquoi? Bien, ça, on peut donner. Il y a un tas de théories sur ça. Il y a les caisses électorales, il y a un tas de choses, tu sais. Mais peut-être, dans le fin fond, là, le gouvernement leur laisse faire ça parce que il n'y a pas suffisamment de pression qui vient d'en bas. C'est évident qu'on on les arrête de faire ça, que ça va déranger quelque chose dans la société dans laquelle on vit. Une compagnie qui donne de l'emploi, puis qui évolue avec des prix, puis des coûts d'opération, puis tout à coup, ça coûte plus cher, bien, ça va déranger de quoi? Le monde va... Est-ce que les gens vont le prendre, ça? Les politiciens ont peut-être peur de ça, se dire, bien, on va peut-être déranger un tas de choses, là. Et puis, les gens vont peut-être respecter. C'est pas... Oui, des choses de même, tu sais, ça se tient tout. Mais s'il y a vraiment des pressions de la base, là, et puis une volonté bien exprimée de la population de changer les choses, bien là, ils vont le faire. Puis je pense qu'il n'y a jamais rien qui vient tellement d'en haut. Hein, c'est tout vient d'en bas. Pensons maintenant à la stratégie. Puis au lieu de se dire, bien, on est ici par rapport à l'objectif, bien, disons-nous, on est ici par rapport à ce qu'on était hier. C'est le plan stratégique qu'il faut regarder en arrière pour voir le progrès qu'on fait. OK? Puis là, à part de ça, développer des stratégies quotidiennes, de jour en jour, pour aller vers l'objectif, là, ça tient une personne occupée, son imagination, puis tout ça. Puis ça, c'est très amusant, puis c'est très plaisant pour là, ça, de faire ce genre de travail-là. Puis si les gens s'attardaient à ça, là, ils se décourageraient pas. Parce que, à tous les jours, ils développeraient une petite stratégie de rien du tout pour avoir une petite victoire de rien du tout qui est un très petit pas en avant, mais c'est une victoire, c'est pas une défaite. Et de petite victoire en petite victoire, comme ça, on va l'avoir, l'objectif. Dans le fond, là, il n'y a rien de global. Il n'y a rien de global. Je veux dire, une grande victoire, là, c'est la somme totale de plusieurs petites victoires. Alors, sans problème, il faut le fragmenter en mille et un morceaux. Mille et une stratégies, mille et une victoires. Puis on a le paquet, mais morceau par morceau. Puis moi, je serais aussi content là, d'obtenir un petit morceau de rien du tout d'un territoire que je veux sauver, là, que d'obtenir tout le territoire. Parce que je sais que j'ai gagné un petit morceau de rien du tout. Là. Bien, j'ai galvanisé mes troupes. Puis ensuite, bien, déjà, l'adversaire affaiblit d'un petit morceau. Ça veut dire que la prochaine fois, tu vas aller chercher un plus gros morceau. Puis tu vas avancer comme ça. Go, Cat. Put it down. Oui, Jo. Là, je savais, là, j'étais sûr ici, puis je suis à congé aujourd'hui, mais le 15, je prends des. Il y a vacances pour ça. Très bon la pêche. Oui, monsieur. La pêche, elle est parlant. Oui, monsieur. Ah, vous aimez ça tant que ça? Pour la manger ou pour la pêcher? La manger, ça la pêcher.
Pourquoi vous aimez ça tant que ça? Ah, c'est bon, c'est pas son rien. Non, mais pour le pêcher. Ah, c'est bon, t'en as pas tort de ça. Pourquoi il y a ça derrière moi ici? Là, tu pollues, c'est dans le bassin. Qui sort dehors? Ça dérange pas pour manger le poisson? Non. Que vous, ça vous dérange pas? Non, je sais. What? Les 15, ils sont tous mariés, puis les autres. C'est moi qui leur fournis tous les poissons. Pourquoi t'aimes ça tant que ça, pêcher? Ah, c'était... j'aime ça. Plus je veux voir, plus je veux y aller. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben là, je travaille pas. J'attends de travailler au poste, c'est ça. Pour ça, je viens à pêche. Ça passe le temps. Hey, hey!